C'est une information qui a surpris certains membres du staff technique de l'équipe nationale et les dirigeants au département des sports. Tôt ce matin, les rumeurs sur une probable menace de virer le Sili national de son hôtel à Antalya en Turquie ont circulé un peu partout. On apprend que, pour faute de non-paiement des frais liés à l'hébergement de l'équipe, les responsables de l'hôtel qui héberge le Sili à Antalya, auraient décidé de mettre dehors la délégation guinéenne. Faux, rétorque le département des sports, qui reconnaît néanmoins un retard dans l'acheminement de l'argent en Turquie. C'est une information non fondée. L'hôtel est réservé jusqu'au 14 juin, et on ne peut pas se lever un beau matin et virer les gens. Il y a eu un léger retard dans le décaissement, certes. Mais, le financier rallie la Turquie ce soir. Le paiement se fera plus tard ce week-end, rassure une source au ministère des Sports. Pendant ce temps, le Sili s'apprête pour son entraînement du jour à 17h, heure locale, avant de défier ce samedi le Togo pour son deuxième match amical, 14h à Conakry.